Salut les riders et les riders J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Silence S1, les frérots. Attention, c'est un nouveau scooter. Alors celui-là, je l'ai acheté. J'avais, je possédais avant le horcal euh, D'ailleurs, je vais le revendre. J'ai toujours pas mis en vente, mais je vais le revendre. Et je me suis pris celui-ci, le nouveau Silence, le nouveau modèle. Franchement, c'est une dinguerie. Je suis vraiment content de vous le présenter. C'est mon coup de cœur des scooters 125 équivalent 125 cm3 rapport qualité-prix bien évidemment parce qu'au delà tu passes sur un, sur le BM euh, BMW électrique mais c'est 14 ou 15 000 euros les frérots c'est le double du prix donc on enchaîne tout de suite euh, puissance 7000 watts nominale 11 000 watts en crête les frérots c'est monstrueux Batterie 60 volts 100 ampères enfin 95 très précisément. Donc euh, batterie 60 volts 95 ampères je ne vous explique pas l'autonomie du bordel. Déjà sur papier il est annoncé en 150-160 en mode euh, éco, 130 en mode city, ville, et euh, 100 km en mode sport. Donc en mode à fond. Il est limité à 100 km/h. Moi, je suis monté, c'est ça, je suis monté à, à 102. En fait, il pourrait monter beaucoup plus vite, mais ça, ça se bloque. À 102, il se bloque. Tu accélères, il, il, il arrête. Donc, il monte 100 km/h en vitesse de pointe. Et euh, par contre, les frérots, par contre, de 0 à 50 en 3 ,8 secondes 8. Donc, la plupart des 125 thermiques, tu les massacres. C'est un truc de fou. Je vous montrerai dans les prochaines vidéos, quand je suis en ville. Souvent, je tire la bourre contre des 125 et vous verrez la différence, c'est impressionnant. Alors au début, il part doucement, je pense qu'ils ont fait exprès de mettre cette sécurité-là. De 0 à 40, si tu veux, il y a comme une sécurité, il part doucement. Et d'un coup, à 40, on dirait que tu as un turbo. Tu désaccélères, tu accélères, tu fais ça. C'est impressionnant, impressionnant la pêche qu'il a à partir de 40 km/h. Ce que j'adore sur ce scooter, ben déjà l'esthétisme, vous pouvez le voir. L'arrière, il ressemble carrément au BM. Euh, il a un arrière vachement agressif avec des petits clignotants et tout feu à l'aide. Franchement, euh, moi je le trouve magnifique. La roue arrière comme ça, pleine, déportée, que d'un côté, je la trouve aussi magnifique. On a une méchante monture, c'est du Michelin, les frérots. Donc, euh, c'est les Michelin City qu'on a dessus, City Grip. Et franchement. Il a une très bonne tenue de route, les pneus, ils tiennent très très bien la route, euh, à l'avant comme à l'arrière d'ailleurs, euh, et surtout là où j'étais pressé de vous montrer ça, et c'est euh, ce qui fait la force de ce scooter en fait, vous allez comprendre tout de suite, et que moi j'adore, donc déjà. Ici, je te fais un peu le tour. Bon, tu as le Komodo comme sur tous les scooters. Hein, on ne va pas s'attarder là-dessus. Si ceux qui connaissent les scooters ils savent très bien, c'est à peu près pareil. On a un compteur très lisible, les deux rétros. On ne voit pas très 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 bien dans les rétros parce qu'ils sont un peu petits. C'est un peu le, le défaut que je trouve sur le scooter pour l'instant. Et euh, ici, on a double chargeur USB. Double prise USB. Donc ça c'est terrible pour charger le téléphone ou autre. Et ce qui fait la force surtout du silence les frérots. Que moi j'ai halluciné et qui m'a donné envie de l'acheter aussi. C'est pas que par rapport à la puissance, certes, c'était euh, pour moi primordial. Je voulais quelque chose de plus puissant qui marche bien. Surtout que quand on est euh, comme moi, qu'on descend de, de grosses motos puissantes ou des T-Max ou, ou des, 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 des 7,5 XADV, euh, bon, euh, le Orcal c'était un peu limite pour moi, même si ça marche très bien. Et je trouve que c'est un très, très bon scooter. Je vous posterai bientôt son, son unboxing aussi et son test. D'ailleurs, on le comparera à celui-ci. Même si je trouvais que le horcal rapport qualité-prix, c'est un des, des scooters les moins chers du marché en 125. Il monte 90 km h C'est déjà exceptionnel. Mais voilà, quand tu arrives à 40, 50, que tu veux doubler une voiture, franchement, tu réfléchis à deux fois. Hein. Tu as peur. Très, très, ça double très, très doucement, en fait. Alors que là, tu fais un poignet de gaz. Boum, boum. Allez, hop, c'est plié. Donc c'est incomparable. Euh, D'ailleurs le prix aussi est incomparable. Donc je vous disais, on est sur du 60 volts euh, 95 ampères Donc grosse, grosse autonomie, grosse puissance. Et on est sur un prix de 7000 euros les frérots. 7195 euros exactement. Donc euh, c'est pas donné. Pour un 125 c'est cher. Même si c'est même pas la moitié du prix du BMW, euh, du BMW électrique. Parce que là aussi BMW, euh, certes, tu à peine je crois un peu plus d'autonomie à la place de 11 000 watts en crête, c'est du, du 13 000 watts en, en crête. Donc c'est pas énormément. D'ailleurs, c'est le troisième scooter le plus puissant électrique au marché. C'est-à-dire, en premier, première position, tu as le BM, c'est le plus puissant. Après, tu as le Gris, euh, Tech Green, là, comment il s'appelle, le, le Rider 9000 000 watts. Et après, tu as celui-ci, le Silent 7000 000 watts et 11 000 watts en crête. Donc c'est le troisième scooter le plus puissant des, des équivalents 125. Donc euh, je peux vous dire que ça envoie Franchement ça envoie Et ce qui fait la force en fait du, du, en fait, du Silence Et que j'adore Regardez les frérots vous allez halluciner C'est ça Déjà avant je vous montre l'intérieur Regarde Même pas sur le T-Max j'avais ça les frérots Même pas sur le T-Max j'avais ça C'est à dire que là tu mets un double Deux casques intégral Carrément il rentre dans la selle J'ai fait le test et ça rentre J'ai mis mes deux haraïs à l'avant et à l'arrière, il rentre nickel. Et tu peux même stocker un petit cadenas ou une petite chaîne autour. Donc là ici tu branches, tu vois ton chargeur. Et tu as même si tu veux le passage de câble pour pouvoir fermer la selle carrément. Tu vois là, ils te disent le câble. Tu le passes ici, clac. Et c'est fini. Tu recharges directement. Donc ce qui fait vraiment la force de ce scooter, c'est ça. C'est déjà sur un scooter électrique. C'est du jamais vu. Mais vraiment c'est du jamais vu. Déjà en scooter essence, c'est exceptionnel, c'est rare, même pas le T-Max, c'est deux casques Jet, c'est même pas deux casques intégral. Donc déjà euh, le XADV, c'était un seul casque et déjà sur les scooters thermiques, c'est rare, mais alors là sur de l'électrique, c'est du jamais vu. Et ça, ça, c'est vraiment un plus, mais vraiment vraiment dans la vie de tous les jours. Ensuite, tu as le plancher ici où tu peux aussi stocker et tu as carrément l'accroche, des fois j'attache mon sac à dos et tout. Donc, tu attaches ici ou ton casque. Donc, tu vois, au niveau du rangement, c'est hallucinant ce scooter. Pour un scooter électrique, c'est impressionnant le rangement qu'il a. Et donc, ce qui fait sa force exceptionnelle, c'est ça. D'ailleurs, c'est euh, euh, ces breveté, déposé par, euh, par Silence. Là, tu soulèves ici. Et regarde, bien voir. Comme un Vanity, poteau. Regarde. Hein. Merci, au revoir. Hein. Allez les frérot Donc ça, tu sais ce que ça veut dire ça Ça veut dire si tu as un garage, c'est nickel. Tu le recharges au garage. Si tu n'en as pas, la batterie c'est un monstre. Elle fait plus de 20 kilos. Eh ben tu regardes, elle est sur roulette, mais c'est un truc de fou, comme un vanity, comme un, un bagage. Regarde, hop, et hop. C'est incroyable. Et là tu, 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 tu la fais rouler en fait. La fais rouler chez toi. Si tu as l'ascenseur, tu montes et c'est fini. Après tu peux la porter, mais elle est lourde. Et ce que j'avais vu aussi que j'avais halluciné. Euh, sur justement une vidéo sur le Silence, le mec il part, tu sais, dans un parc. En fait, il est avec son scooter, il part dans le parc comme ça. Genre le parc Borély ou je sais pas où, dans un parc. Il se cale comme ça. Oh, allez, il branche, ça baffe son téléphone parce que t'as le chargeur derrière. Il s'écoute la musique et tout pépère, gros. Il se lit le machin sur l'iPad et tout et il recharge sa batterie, il se casse. Il, remet, il remplace sa batterie, il se casse. Oh, J'étais mort de rire. Je dis, ah ouais, terrible et tout. Et deuxièmement, regarde, hein, je ne sais pas si on va voir là. Regarde bien voir, approche. Déjà, quand elle est sur le scooter, tu appuies. Elle te dit, tu vois là, elle me dit, regarde le verre, tu vois, je suis à, à peu près à 80% là. Quand tu le charges, ça se charge, ça éclaire dans la maison, ça fait trop design, ça fait dégain, ça fait une petite lumière d'ambiance. Et tu vois le verre qui se remplit petit à petit. Et quand elle arrive à 100%. La lumière reste fixe, mais tu as le rond entièrement rempli de verre. Tu as aussi l'autonomie sur le compteur, bien évidemment, mais tu l'as aussi ici. Et ça, c'est excellent. Sur le scooter, quand tu la mets, pareil, regarde, là, je la glisse. C'est d'une facilité exemplaire en plus. Juste, tu te présentes comme ça. C'est pile calculer la hauteur, tu vois. Tu n'as rien à faire. Hein. Tu présentes ton rail, tu le mets dans ton rail, et là, tu pousses. Et ça glisse tout seul. Hein. Tu ne forces même pas. Hein. Hop, ça y est, elle est mise. Tu déclips hop, Tu peux pas la retirer, bien évidemment, il faut ouvrir la trappe là. Et en fait, regarde, là maintenant, même dessus, quand tu passes, tu appuies, il te dit tout. Voilà, quand tu passes, tu appuies, il te dit tout, tu vois. Là, tu as le trois quarts du verre, c'est que je sais que je suis à peu près à 80%. Et pour avoir au truc près, c'est là, au compteur, tu allumes, tu vois, 70% de batterie. 72%, pardon, de batterie, tu vois. J'étais pas loin, je t'avais dit à peu près 80. Voilà. Là, 60. Alors regarde bien, avec 72% de batterie, je peux faire encore 70 bornes. 70 bornes. En mode, attention, hein, en plus en mode euh, City. Là, je bascule ready. Tu vois. Là, je bascule en mode sport. D'un coup, je passe à 59 km. C'est-à-dire en mode sport à fond. Et en mode Echo. Euh, regarde. 80 bornes avec juste 72% de batterie, donc euh, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment vraiment impressionnant. Euh, voilà, ça, je pense avoir fait le tour. Donc euh, là, on est vraiment ici pour la présentation. Je vous dis pas encore combien de bornes je fais avec euh, les tests sur route. Je vous les sortirai prochainement. C'est vraiment une présentation du scooter comme je fais à chaque fois. Vous savez que moi c'est un minimum de vidéos. Sinon les vidéos seraient beaucoup trop longues. Euh, le fait de présenter le scooter et en plus vous dire euh, ce que j'ai fait avec les tests et tout. Mais alors là, ça ferait des vidéos de 45 minutes, voire une heure. C'est beaucoup trop long. Là, c'est équ bien équivalent 125 permis B. En mode écho, les, en mode écho donc on, euh, tu passes euh, vitesse. Tu as le couple qui est beaucoup moins important. C'est beaucoup plus smooth. Et, euh, et as, moi, j'ai pas vu 45, j'ai vu 65 quand j'accélérais. En fait, j'ai bloqué à peu près à 50 km/h, 60, comme un, un 50, quoi, un équivalent 50. En mode city, ben, c'est rapport poids-puissance euh, normal. Tu peux monter aussi à fond. Et après, tu as le mode sport, là, c'est plein gaz, c'est-à-dire ça arrache tout. À partir de 40, c'est une, une bombe. Et tu montes, moi j'ai tapé 102 km/h avec. 102, 103, ça se bloque, en fait. Tu peux pas aller plus. Après peut-être qu'il y aura une petite bride à faire sauter qui sait. Mais bon, il se bloque à 102. Donc là c'est les specs, tu peux monter à deux dessus, c'est bien un permis B. Il faut le permis B donc permis 125, tu vois. Tu as même la selle. Alors la selle, elle est hyper toi tu vas regarde toute la place que tu as, tu es hyper bien installé plus même le conducteur, franchement, il a, euh, le passager, même le passager il est à l'aise dessus. Moi j'ai chalé avec, on m'a dit c'était nickel. Voilà. Euh, donc, il y a un mono amortisseur d'ailleurs qui est je trouve bien bien dur. Moi, je le trouve un peu trop rigide à mon goût. Et euh, la fourche avant, je pense que je vous en dirai plus sur la fourche avant dans le test. Parce que là, comme je vous disais, c'est juste le unboxing. Design, esthétisme, je le trouve terrible. Euh, en esthétique, on dirait il fait vraiment gros scooter, gros 125, tu vois, style X-Max ou quoi. Ça fait pas un petit 125 comme le Orcal, un peu joué. En plus, il est agressif le design. Euh, le prix, ben, comme je vous disais, euh, 7000 euros, 7200 euros, 7195 euros chez Webot. D'ailleurs, grand, grand merci à Webot parce que c'est eux qui me l'ont envoyé. Je l'ai acheté chez eux d'ailleurs. Donc, grand merci à Webot euh, aussi pour toute commande effectuée chez Webot. Le code cram marche aussi. Ce n'est pas parce que ça marche de, sur tout, euh, tous les trucs chez Webot que je prends moi ou qui m'envoient. Le code cram il est valable. De toute façon, il n'y a pas de problème. C'est 250 euros d'accessoires offerts sur le scooter. Voilà, c'est toujours bon à prendre avec le code cram Donc, grand merci à Webot. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire dessus aussi Je pense qu'on a fait le tour, non Kevin On voit bien au niveau de la structure. Euh... Hein toute la structure extérieure ah, aussi ah non, mais qui mais apparente, est apparente, c'est euh, assez beau. Ouais, ouais, ouais franchement, ouais. C'est un design magnifique. Ah, on n'a pas dit le poids. 130 kg, je crois. Ouais. Euh, 125 kilos. avec la batterie. Ouais. Voilà, 125 kg avec la batterie. Alors la batterie, elle fait 20 ou 25 kg. C'est à 20 kg, ouais. Donc, euh, donc tu vois, il fait 100 kg le scooter. 105, hein, 105, 105 sans la batterie 125 avec. Ouais. Voilà, donc ouais. euh, déjà, c'est un très très bon poids, je trouve. Parce que 125 kg, c'est le poids ben c'est le poids d'un scooter thermique au final. C'est le poids de deux wipades. Ouais ouais c'est le poids de deux wipped. <laughs> Pour demain, <laughs> c'est le poids de deux wipped, deux trottinettes. Bah. Donc euh, rap rapport poids, c'est très bien. Et rapport poids puissance, c'est excellent. Rapport poids puissance. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, voilà, les lumières, alors, il éclaire super bien. On voit super bien. Le design est super beau. Voilà, tu quoi, je vais un peu le tester pour vous le montrer là, juste là, là. Et après, on fera deux, trois plans. Il est exceptionnel. Oh la puissance dès que tu atteins les, les, les 30-40 km heure. Regardez. Il part doucement et d'un coup, wouf, wouf, d'un coup, coup, il arrache. Regardez. D'un coup, il arrache. Voilà. Oh le freinage. Alors ah oh, oui il y a ça que j'avais oublié de vous dire les frérots, il a un freinage exceptionnel, parce que, d'ailleurs c'est ce qui me dérangeait dans les motos, euh, moi à l'époque où j'avais eu le R6 en 2007, euh, tu avais encore les, les, frein, les, les freins sans ABS, et je crois que c'est en 2015 ou 2016 qu'ils ont passé sur toutes les motos obligatoirement l'ABS, alors certes sous la pluie c'est très bien, mais sur le sec l'ABS ça freine pas, alors as des avantages et des inconvénients. Et là sur les scooters électriques, va savoir pourquoi. En tout cas, tous ce que j'ai eu, même la moto que j'ai essayé au salon, eh ben, elle avait pas d'ABS. Ils, ils, ils sont retournés à l'ancienne, c'est-à-dire quand tu freines, ça freine. La preuve, regarde, là j'ai freiné, tu as vu ça, c'est parti en dérapage. Hein. Mais moi je préfère, j'adore. Tu as vu comme voilà, tu Ça freine direct. Tu as un mordant, il est in... regarde, tu piles. C'est incroyable. Incroyable. Tu as vu ça? Ouais, vais, vais la trace! Voilà, là, là, tu vois vraiment qu'il n'y a pas d'ABS, ça arrache. <laughs> voilà les frérots, je le mets sur sa béquille la, la, sa, latérale. Donc, tu as béquille centrale et béquille latérale. Moi, je me sers tout le temps de la latérale. Euh, bloc volant, bon, tu as tout. Comme, après, c'est comme, comme un scooter normal au final, hein, comme un scooter thermique. Hein. Aussi, ce que je voulais vous dire, 7195 euros, certes, c'est pas donné. Ça c'est sûr, pour un 125 c'est même très cher. À savoir qu'après on ne met pas d'essence, donc ça c'est énorme. Il n'y a pas d'entretien, à part plaquettes et pneus, tu ne changes rien. Il n'y a pas de révision, de vidange et de je sais pas quoi. Et le pire, les frérots, le pire, hein. bon, moi après j'ai 50% de, de bonus en moto, donc euh, ça joue aussi. Mais je paye 9 euros par mois, assurance, 9 euros. Et l'électricité, je ne la paye pratiquement jamais parce que je recharge au travail. Donc. Euh, Ok, tu investis, mais c'est tout bénef et ça marche beaucoup mieux qu'un 125 normal. En, en pêche, hein, je parle en ville pour doubler, ça marche beaucoup mieux. Vous verrez quand je vous ferai les VS avec les 125 dans la rue. Franchement, je les défonce. Voilà, et pourtant, je fais 90 kg. Voilà, je pense vous avoir tout dit pour le unboxing, la découverte du Silence et ses statistiques et ses stats. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos, surtout pour le test qu'on attend et je vous ferai un VS. Orcal 125 VS Silence 125 et je vous ferai d'autres VS aussi parce que je vais recevoir la moto e-ghost très bientôt où je vous ferai un, un VS contre le, le Silence. C'est la même catégorie sauf que l'autre c'est un 4000 watts, ça c'est un 7000 watts mais l'autre il est beaucoup plus léger donc à voir ce que ça donne et il faut surtout savoir que c'est surtout les contrôleurs aussi qui jouent. Tu as des contrôleurs qui envoient du lourd, il y as qui envoient moins du lourd donc c'est à prendre en considération aussi. Sur ce, comme d'habitude les frérots, vous le savez, il reste 15 jours. Je fais gagner la Macalou via mes t-shirts. Je vous mets le lien de ma boutique en ligne en dessous de la vidéo. Vous avez juste à cliquer en dessous de la vidéo dans la description. Je vous mets le lien du silence chez Webot aussi avec le code cram 250 euros d'accessoires offerts. La boutique en ligne, via les t-shirts achetés, vous avez une carte avec un numéro. Gardez précieusement ce numéro-là car le tirage au sort c'est à la fin du mois. Il y aura... D'entre vous qui gagnera automatiquement la Macalou, voilà de chez Secotech. Donc, grand merci pour votre soutien, grand merci pour, pour la force. Force à vous, mon Insta. N'oubliez pas cram tout tirer du bas 13. Car sur Instagram aussi, je fais gagner des trottinettes, des petites trottinettes, genre celles qu'on m'envoie à, à 300, 350 euros, 400 euros. Celles-là, je les fais pas gagner via les t-shirts parce que le prix est bas et je préfère aussi faire plaisir à ma communauté. Donc, ça se passera sur Instagram. Pareil, je ferai gagner les petites trottinettes sur Instagram. Sur ce, à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Grand merci à vous. Ciao les frérots. Et Kev, on arrache tout, hein. Tu le sais. Hein en silence ou pas en silence <laughs> Ciao les frérots Wouh Exceptionnel, hein. la pêche qu'il a ce scooter. Ouh